Et coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai enfin, après toutes ces péripéties, reçu mon partenariat Panda All Selected. Alors, c'est le premier partenariat que je fais avec une boutique comme ça. Donc, du coup, je vais ouvrir l'emballage. J'aurais pu l'ouvrir avant, mais je voulais l'ouvrir avec vous. Alors, je vous mettrai toutes les informations concernant les codes pour le code promo, le lien des articles. Donc j'avais commandé de quoi faire des seaux. Mais les petits trucs là, je les voyais plus petits en fait, les plus gros en fait. Ok, c'est pas grave. Et j'ai pris des perles. Donc je vais commencer par vous montrer les perles. Alors ça, parce que je dois faire une vidéo présentation, donc c'est celle que j'ai fait aujourd'hui avec vous. Donc je l'ai reçue, on est le 25 avril. Donc cette vidéo-là, je pense qu'elle va sortir cette semaine et les deux autres sortiront la semaine prochaine. Donc j'ai la vidéo présentation à vous faire et j'ai deux vidéos création à vous proposer avec ce que j'ai reçu ici. Donc je vais faire pause le temps de tout déballer et je reviens vers vous. À de suite. Alors voilà, j'ai tout déballé. Alors c'était emballé dans des pochettes comme ça pour tout ce qui est cire, tout ça. Et ça, c'est le tampon là pour la cire. Et avec pour les perles, c'était dans un emballage plastique et avec ça. Donc voilà. Donc les perles viennent de chez Bubicraft. Voilà, bon, ça fait partie de Panda Haul Elite, mais ça vient de Bubicraft.com. Voilà. Donc du coup, voici les couleurs que j'ai pris au niveau des perles. Elles sont magnifiques. Donc bien évidemment, je vous ferai un petit truc avec pour la semaine prochaine. Voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors les millimètres, c'est pas marqué. C'est pas grave. De toute façon, vous pouvez aller voir sur Bibicraft directement sur Panda Haul. Voilà, c'est des perles basiques, hein, la même taille qu'on trouve chez Action. Donc je trouve qu'elles sont magnifiques. Les roses là, elles sont trop trop belles. Voilà. J'ai bien choisi. Moi qui aime bien faire les bijoux fantaisie, tout ça. C'est très bien. Alors, je vais faire le tampon. Enfin, le seau. Donc j'avais pris. Alors normalement, ouais, ça se dévisse. Voilà, j'avais pris un petit chat, je sais pas si vous allez voir. Donc, j'avais pris ça et pour aller avec, j'ai pris donc du coup le kit de démarrage, un sort de kit de démarrage. Donc là, vous avez la petite louche pour mettre les petits trucs comme ça et faire fondre le truc
pour les faire fondre. Dans le kit, il y avait les deux fêtes comme ça, métalliques. Donc ça, c'est argenté et ça, c'est doré. Point. Donc là, j'ai bien envie de tester avec vous dans cette vidéo-là. Donc c'est à base d'eau et couleur opaque. On peut l'utiliser sur du papier noir, je pense. Je sais pas. Uncolored paper. On peut l'utiliser sur du papier. Voilà, enfin bref. Là, il y avait des bougies chauffe-plat. Bon, elles ont un peu pris cher les trucs, mais voilà, il va falloir que je pense à en acheter à Action si j'en trouve. Après, les couleurs, elles sont hyper jolies. On va tester. Et là, normalement, c'est pour le support. Mettre la bougie chauffe-plat et ça. Ouais, c'est le support. Voilà, donc normalement, on met ça ici. On met la bougie là au milieu. Et normalement, on met nos petites capsules là et après, on laisse chauffer. Voilà, donc je vais prendre de quoi tester. Normalement, il faut un tapis en marbre, mais je ne l'ai pas pris. Normalement, je dois avoir un truc comme ça. Donc, je reviens, je vais chercher un briquet. Pardon. Je reviens de suite, hein. Alors, voilà, j'étais prendre le briquet. Je vais, du coup, allumer la bougie qui est juste ici. En espérant ne rien faire brûler, ne pas faire brûler la maison. Je sais pas en combien de temps ça va fondre. C'est déjà en train de fondre. Là, j'en ai mis trois, je pense que je vais peut-être en remettre un. Ça fond assez vite quand même, hein, ces petits trucs. Donc, il faut bien laisser fondre. Et ensuite, on va venir le mettre là.
Et on va laisser durcir. Eh ben nickel. Nickel, nickel. Pour un premier, c'est plutôt réussi. Voilà. Donc je vais voir avec le reste pour en refaire un autre. Ça va être tout petit. Il restait collé le. Voilà ce que ça donne, du coup. Alors, attendez. Mais écoutez, j'en suis très 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 satisfaite. Voilà, je vais le garder celui-là, on pourra toujours l'utiliser sur une petite création. Voilà. Donc je vous remontre le premier que nous avons fait, qui ma foi pour un premier. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là. Je vais faire les deux autres vidéos. Voilà, donc du coup, ça, je ne perds pas, je vais refaire fondre. Parce que je vais faire une autre pour une création. Voilà, donc voilà, donc nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos et on se retrouve très vite. Bye bye!